Et les bons résultats, les Parisiens restent quatrième. Ils recevaient une équipe corse particulièrement difficile à battre sous les yeux de Philippe Genin. Et sur leurs 12 dernières rencontres, les joueurs de Frédéric Antonetti n'ont perdu que deux matchs. Les Parisiens redoutaient quand même un petit peu ce rendez-vous face à Bastia. Des Bastiais malmenés ici avec Souma qui tente de dégager loin devant. La récupération, elle est parisienne avec Rabessand Ratana qui lève la tête. Un très long ballon vers Mickaël Madère. Le ballon en retrait, la frappe pour Ali Benarbia et la première prise de balle pour Éric Durand. Du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, il y a eu quelques changements. César est titulaire derrière à la place d'Ogbara. Laurent Leroy devant à la place de Christian. Et les Bastiais perdent trop de ballons ici avec Benarbia pour Leroy qui tente sa chance. Et ça se termine bien au-dessus de la cage d'Éric Durand. Laurent Leroy très en vue dans cette rencontre. Frédéric Antonetti est soucieux. Il replace ses joueurs qui commettent beaucoup de fautes ici avec un coup franc de Laurent Robert. La frappe de Robert et c'est l'arrêt qui vient sauver Éric Durand. Laurent Robert faisait son retour après avoir purgé ses deux matchs de suspension. Et le coup de pied magique de Laurent Robert n'a pas trouvé le cadre Bastiais. Des Bastiais malmenés, on vous l'a dit, la preuve avec Benarbia encore dans ses œuvres, avec Ducrot également qui peut centrer ici. Et cette reprise de JJ Okocha, une reprise foudroyante qui passera à côté du cadre du Sporting Club de Bastia. Des Bastiais qui voient ce match à sens unique, des Bastiais qui font de la résistance et des Parisiens qui mènent largement les débats. 0-0 à la mi-temps, Roger Lemaire est venu superviser Laurent Robert notamment pour l'Euro 2000. Laurent Robert, on le retrouve avec ce corner, la parade de Durand et par terre qui jaillit, c'est César. César titulaire pour la deuxième fois cette saison, il était passé au travers face au Havre avec une victoire des Havrais 3-1. Et bien là il est titulaire, il est buteur César. L'international brésilien permet donc au Paris Saint-Germain de mener 1-0 face à Bastia. On joue depuis 5 minutes en seconde période. Des Parisiens virevoltants une nouvelle fois avec Madar. Madar et puis le ballon cafouillé par Durand et par Frédéric Mendy qui profite à Laurent Leroy. Titulaire pour la première fois de la saison, c'est son quatrième but. Et regardez ce long, très long ballon dans les pieds de Mickaël Madar qui se défait des Bastiais. La mésentente ici, Bastiaise, avec ce but pour Laurent Leroy. Deux buts face aux Corses en 2 minutes. Petit sourire grimaçant pour Frédéric Antonetti. Les Parisiens encore à l'attaque avec Benarbia. Un centre de Benarbia et la reprise de volée pour Mickaël Madar et la parade somptueuse d'Éric Durand qui arrête ainsi l'hémorragie face aux Parisiens. Des Parisiens que l'on retrouve ici avec un corner concédé, un corner de Frédéric Ney. Des Parisiens qui perdent le ballon avec Pierre-Yves André qui est passé, qui frappe ici. Attention à Frédéric Ney, mais c'est détourné par Pierre Ducrot. Ce sera la seule véritable occasion des Bastiais dans cette rencontre pour vous dire vraiment que ce match est à sens unique. Avec une dernière occasion parisienne ici en fin de match, Benarbia puis Christian, la tête s'est sauvée sur sa ligne par Frédéric Mendy. Victoire parisienne 2-0 face au Sporting Club de Bastia et le mot de la fin revient au Brésilien César. Toute l'équipe comme moi bien unie et beaucoup contente et difficile pour moi à parler français, mais magnifique. Et tout bien, grand but. Voilà le sourire.